Cette vidéo est faite pour tous les mélomanes de la musique africaine. Partagez la vidéo massivement et invitez vos amis. Wizkid qui met une claque à Asake, qui la prend. J'ai dit, est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt pour le béret? Eh, attention! D'être musicien et déjà d'être musicien nigérien. Vous savez que le showbiz nigérien est supporté par les artistes nigériens eux-mêmes. Ils ont leurs problèmes, hein? Ils ont leur clash, ils ont leur clan. Mais c'est des personnes, quand il s'agit de se donner la main, ils le font avec brio. Voici que Wizkid donne une leçon de vie à Asake. Voici que Wizkid montre à Asake que, quel que soit ce que tu deviendras, sache que on n'a pas tous les mêmes réflexions et que le Nigeria... Je vous explique un peu. Vous savez, à la sortie de nouvel album de Asake, il a fait des featuring avec beaucoup de personnes. Il a collaboré avec beaucoup de personnes. Mais sa cible sur son projet était Wizkid. Il hésitait beaucoup parce que Wizkid, c'est quelqu'un qui est beaucoup timide. C'est quelqu'un qui a un charisme. C'est quelqu'un qui se fait beaucoup respecter dans la musique nigérienne. Est-ce que vous comprenez? Donc du coup, Asake hésitait d'approcher Wizkid parce qu'il ne savait pas comment Wizkid allait le prendre. Donc du coup, il s'est dit quoi? Je tente ma chance, je mets 500 000 euros à côté et 500 000 dollars dans mes mains, je garde ça de côté. Au cas où, il me fait une proposition, il dit, ah, j'ai 500 000 dollars. Mais c'est là qu'il va voir qu'il y a artiste et puis il y a artiste. Donc là, c'est comme ça, il prend son téléphone, il envoie un message à Wizkid. Comme quoi, j'ai mon projet, j'ai besoin de toi sur mon projet. Tu prends combien? Mais il ne s'attendait pas à la réponse de Wizkid. Voilà comment Wizkid lui fait comprendre que, en tant que Nigérien, en tant qu'Africain, en tant que faisant de l'afrobeat, pourquoi je veux prendre de l'argent avec toi? En tant que personne aujourd'hui qui combattons pour imposer notre musique à la face du monde, pourquoi je dois prendre de l'argent avec toi? Il faut que tu m'expliques. J'aime ce que tu fais, j'aime comment tu progresses et j'aimerais bien, si tu as besoin d'une collaboration, passe au studio, on finit le son rapidement. Il était choqué de la réaction de Wizkid. Il n'a jamais pensé que Wizkid allait lui faire un son cadeau. Et cela démontre que la musique nigérienne aujourd'hui, cela démontre que le succès de la musique nigérienne est tout un état d'esprit. Ce sont des gens qui font des semblants de clash, qui font des semblants de ne pas s'aimer. Mais dans le fond, c'est des personnes qui ne veulent pas que leur culture, leur style de musique tombe. C'est des gens qui veulent s'imposer devant la face du monde. Et ça a marqué Asake. Parce que vous sachez que Asake, il est dans le clan de la plupart des ennemis de Wizkid. Est-ce que vous comprenez? Donc du coup, c'est un message aussi à apporter à la musique ivoirienne. Déjà, vous êtes coulés. La plupart des artistes de Côte d'Ivoire, à part Didi B, voilà, et certaines deux, trois personnes, vous êtes coulés. Mais vous-même là, c'est un futur quand vous là, ça vous dépasse. C'est-à-dire que vous n'êtes pas prêt à vous à collaborer, malgré vos guéguerres. Vous n'êtes pas prêt à collaborer. Chacun n'est pas prêt à porter sa pierre à l'édifice. J'appelle ici à tout le showbiz ivoirien de vraiment faire preuve de bonne volonté et d'apprendre à collaborer ensemble, de faire semblant comme les Nigériens le font. Ils ont des guerres, ils ont des problèmes, mais ça n'empêche pas Davido de faire un featuring avec Wizkid. Ça n'empêche pas XY de faire un featuring. Parce que les problèmes du Nigeria, c'est le Nigeria. Mais face à l'étranger, ils sont tous frères. Ils sont obligés de faire respecter leur culture. Ils sont obligés de faire... Mais en Côte d'Ivoire, on assiste à des guerres, mais qui n'ont vraiment pas de sens. En tout cas, force à la musique nigérienne, force à Wizkid. J'ai été épaté, j'ai lu le discours d'Asake et j'ai compris que vraiment, c'est seulement en main dans la main qu'on peut faire avancer ce monde-là et qu'on peut faire respecter l'Afrique. Merci beaucoup et shalom à tout le monde.